Mesdames et messieurs les représentants des ententes et associations patriotiques, Madame la Préfète, chers collègues, mes chers élèves, c'est avec beaucoup d'émotion que me revient l'honneur de dire quelques mots à l'occasion de cette commémoration en l'honneur de la mémoire de Marguerite Berwoutz. En cette période si particulière, se réunir afin de perpétuer le souvenir de ceux qui ont eu le courage de s'opposer à la barbarie revêt une importance capitale. Depuis plus d'un an, notre mode de vie a été chamboulé, bouleversé. Nos libertés ont été réduites. Et ces efforts nous semblent bien lourds à supporter. Nos jeunes souffrent particulièrement de la situation. Et nous ne pouvons que les comprendre et les soutenir. Mais ce souvenir des heures les plus sombres du passé doit aussi nous permettre de remettre chaque chose à sa place et nous guider vers plus de clairvoyance. Au moment où le chaos régnait sur l'Europe, des milliers d'hommes et de femmes, comme Marguerite Berwoutz, ont eu la force d'agir au mépris du danger, conscients que leur vie était en jeu, pour que nous puissions vivre libres. Aujourd'hui, la crise sanitaire que nous traversons est bien différente. Il s'agit d'un problème médical, scientifique. La seule contribution que nous pouvons y apporter, en tant que citoyens, est de nous montrer responsables et solidaires. Notre résistance, c'est de faire preuve de résilience. Cependant, les menaces et les défis de notre monde actuel sont nombreux et bien réels. La surpopulation, la gestion de nos ressources, nos dépenses énergétiques, les changements climatiques, les inégalités économiques et sociales. Pour tout cela, il nous appartient de nous engager, de trouver des solutions pour le bien commun. Les véritables combats du monde actuel sont là. À l'heure des réseaux sociaux, nos jeunes sont bombardés d'informations ou d'opinions en tout genre. Pour eux, il est de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux, le fiable de la manipulation. Partout dans le monde, des courants rétrogrades et liberticides apparaissent au grand jour. Multiplication des mouvements d'extrême droite, théories complotistes, intégrisme religieux, recul des droits des femmes en matière d'IVG, instauration de lois raciales anti-homosexuelles et persécution de minorités. Le plus grand danger qui nous menace, c'est notre passivité. C'est de ne pas trouver tout cela si grave tant que nous ne sommes pas directement impactés. C'est d'accepter d'être la victime de l'agrandissement constant de ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, déjà pratiquée par le régime nazi dans les années 30 et que nous subissons quotidiennement. Il s'agit de propager des idées absurdes, provocatrices, immorales. On élargit ainsi le champ d'acceptation de l'individu, de sorte que des opinions que nous aurions trouvées inacceptables plus tôt ne semble finalement plus si radicale. Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit. Je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Cette fameuse citation du pasteur Niemöller est et sera toujours d'actualité. Notre école a le privilège de porter le nom de Marguerite Berwoutz. C'est notre devoir de résistance, de porter nos valeurs humanistes et démocratiques, de former des citoyens libres, responsables, ouverts sur le monde, de leur apprendre à rechercher la vérité avec discernement, honnêteté, rigueur, objectivité, de leur faire prendre conscience de cette responsabilité individuelle à contribuer à une société plus juste et tolérante, de développer chez eux le goût de la culture, de la connaissance et de la diversité. Lorsque je vois les jeunes qui sont là aujourd'hui, et particulièrement ceux qui se sont tant investis pour que nous partagions cette cérémonie du souvenir, je me dis que notre travail est décidément bien essentiel et qu'un avenir heureux leur appartient. Extrait choisi du texte de Stéphane Hessel, Indignez-vous. 93 ans, c'est un peu la toute dernière étape. La fin n'est plus bien loin. Quelle chance de pouvoir en profiter pour rappeler ce qui a servi de socle à mon engagement politique élaboré il y a 66 ans par le Conseil national de la Résistance. De Londres, où j'avais rejoint le général de Gaulle en mars 1941, j'apprenais que ce Conseil avait mis au point un programme proposé pour la France libérée, un ensemble de principes et de valeurs sur lesquels reposerait la démocratie moderne de notre pays.
De ses principes et de ses valeurs, nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin. Il nous appartient de veiller, tous ensemble, à ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers. Pas cette société de sans-papiers, des expulsions, des soupçons à l'égard des immigrés. Pas cette société où l'on remet en cause les retraites, les acquis de la sécurité sociale. Pas cette société où les médias sont entre les mains des nantis. Toutes choses que nous aurions refusé de cautionner si nous avions été les véritables héritiers de ce conseil. Le motif de la résistance, c'est l'indignation. Nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, nous appelons les jeunes générations à faire vivre, transmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux. On ose nous dire que l'État ne peut plus assurer les coûts de ses mesures citoyennes. Mais comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ses conquêtes, alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la libération, période où l'Europe était ruinée. Sinon, parce que le pouvoir de l'argent, tellement combattu par la résistance, n'a jamais été aussi grand, insolent, égoïste. Les banques, désormais privatisées, se montrent d'abord soucieuses de leurs dividendes et de très hauts salaires de leurs dirigeants, pas de l'intérêt général. Nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, nous appelons les jeunes générations à faire vivre et transmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux. Nous leur disons, prenez le relais, indignez-vous. C'est vrai que les raisons de s'indigner peuvent paraître aujourd'hui moins nettes ou le monde trop complexe. Mais dans ce monde, il y a des choses insupportables. Pour les voir, il faut bien regarder, bien chercher. Je dis aux jeunes, cherchez un peu, vous allez trouver. La pire des attitudes, c'est l'indifférence. Dire, je n'y peux rien, je me débrouille. En vous comportant ainsi, vous perdez l'une des composantes essentielles qui fait l'humain. Une de ces composantes indispensables, la faculté d'indignation et d'engagement qui en est la conséquence. Je suis convaincue que l'avenir appartient à la non-violence, à la conciliation des cultures différentes. Il faut comprendre que la violence tourne le dos à l'espoir. Il faut lui préférer l'espérance de la non-violence. C'est le chemin que nous devons apprendre à suivre. Aussi bien du côté des oppresseurs que des opprimés, il faut arriver à une négociation pour faire disparaître l'oppression. C'est ce qui me permettra de ne plus avoir de violence terroriste. C'est pourquoi il ne faut pas laisser s'accumuler trop de haine. Il est grand temps que les soucis d'éthique, de justice, d'équilibre durable deviennent prévalents. Car les risques les plus graves nous menacent. Ils peuvent mettre un terme à l'aventure humaine sur une planète qu'elle peut rendre inhabitable pour l'homme. Comment conclure à cet appel à s'indigner ? En rappelant que nous disions, le 8 mars 2004, nous, vétérans des mouvements de la résistance et des forces combattantes de la France libre, que certes, le nazisme est vaincu grâce au sacrifice de nos frères et sœurs, de la résistance et des Nations Unies contre la barbarie fasciste. Mais cette menace n'a pas totalement disparu et notre colère contre l'injustice est toujours intacte. Aussi, appelons-nous toujours à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation de masse, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous. À ceux et celles qui feront le 21e siècle, nous disons avec affection, créer c'est résister, résister c'est créer. Cette lettre ouverte fait suite aux manifestations internationales répétées de la part des étudiants ayant répondu à l'appel de Greta Thunberg dans sa lutte pour le climat, fruit d'un processus de discussion collectif et international ayant duré 2 semaines. Cette lettre est diffusée en 19 langues. Nous, la jeunesse, sommes profondément préoccupés par notre avenir. L'humanité est actuellement à l'origine de la 6e extinction massive d'espèces. Et le système climatique mondial est au bord d'une crise catastrophique. Ces effets dévastateurs sont déjà ressentis par des millions de personnes dans le monde. Pourtant, nous sommes loin d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Nous, les jeunes, représentons plus de la moitié de la population mondiale. Notre génération a grandi avec la crise climatique.
et nous devrons y faire face pour le reste de notre vie. Malgré cela, la plupart d'entre nous ne sont pas inclus dans le processus décisionnel local et mondial. Nous sommes l'avenir sans voix de l'humanité. Nous exigeons la justice. Nous n'accepterons plus cette injustice. Nous exigeons la justice climatique. Nous exigeons la justice pour toutes les victimes passées, présentes et futures de la crise climatique. C'est pourquoi nous nous battons. Des milliers d'entre nous sont descendus dans les rues du monde entier. Nous devons enfin traiter la crise climatique comme une crise. C'est la plus grande menace de l'histoire de l'humanité et nous n'accepterons pas l'inaction qui menace toute notre civilisation. Nous n'accepterons pas une vie dans la peur et la dévastation. Nous avons le droit de vivre nos rêves et nos espoirs. Le changement climatique est déjà une réalité. Des gens sont morts, meurent et mourront à cause de cela. Mais nous pouvons arrêter cette folie et nous le ferons. Nous demandons aux dirigeants du monde entier qu'ils assument leurs responsabilités et résolvent cette crise ou qu'ils se retirent. Vous avez échoué dans le passé. Si vous continuez à nous décevoir à l'avenir, nous, les jeunes, ferons changer les choses par nous-mêmes. La jeunesse de ce monde s'est mise en mouvement et elle ne s'arrêtera plus. Mon ami, je vous ai élu entre toutes pour recueillir mes dernières volontés. Je sais en effet que vous m'aimez assez pour le faire, pour les faire respecter de tous. On vous dira que je suis morte inutilement, bêtement, en exaltée. Ce sera la vérité, historique. Et il y en aura une autre. J'ai péri pour attester que l'on peut à la fois aimer follement la vie et consentir à une mort nécessaire. À vous incombera la tâche d'adoucir la douleur de ma mère. Dites-lui que je suis tombée pour que le ciel de Belgique soit plus pur, pour que ceux qui me suivent puissent vivre libres comme je l'ai tant voulu moi-même, que je ne regrette rien malgré tout. À l'heure où je vous écris, j'attends calmement les ordres qui me seront donnés. Que seront-ils? Je ne le sais pas, et c'est pourquoi je vous écris l'adieu que ma mort doit vous livrer. C'est à des êtres tels que vous qu'elle est tout entière dédiée, à des êtres qui pourront renaître et réédifier. Et je songe à vos enfants qui seront libres demain. Adieu. Nous allons maintenant assister à la dépose de gerbes. Merci de bien vouloir vous lever. Dépose de gerbes par Madame Blondiot, représentant l'amicale de l'Athénée Royal, Marguerite Bervoux. Dépose de gerbes par M. Delattre, porte-drapeau, représentant de l'Entente patriotique de Mons. Dépose de gerbes par M. Mélis, président de l'armée secrète. Nos élèves vont désormais déposer 30 fleurs symbolisant les 30 années de vie de Marguerite Bervoux. Thank you.
Nous vous invitons à vous lever pour le Last Post, suivi d'une minute de silence. Nous allons clôturer cette cérémonie par le chant des partisans, suivi de la brave Anson. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?